Lainaoui est l'une des révélations de la Ligue 1 depuis ce début de saison et je suis revenu sur ses traces ici à Nancy en faisant intervenir plusieurs personnes, notamment des gens qui l'ont vu passer à l'AS Nancy-Lorraine. Jean-Marc Faven, lui, est dirigeant de l'AS Nancy-Lorraine depuis plus de 40 ans. Il travaille avec la réserve et il a vu passer de nombreux coachs. Martin Sourzac est toujours le gardien de l'ASNL. Il a vu grandir El Aïnaoui lorsqu'il était encore très jeune à l'ASNL. Il l'a vu avec le brassard de capitaine également. Et enfin, Pape Diakaté, lui, est un ancien joueur de Nancy. Il a aussi joué à l'Olympique Lyonnais, Saint-Etienne, mais également à l'étranger. Et il a l'avantage d'avoir vu Neil avec un œil d'entraîneur, puisqu'il a coaché des équipes qui ont affronté El Aïnaoui lorsqu'il était encore en réserve. Et aujourd'hui, il est l'entraîneur d'un club à Strasbourg qui est en National 3. Alors, El Aïnaoui, il a un avantage non négligeable, c'est que son père est ancien tennisman professionnel. Alors quand il est né, son père n'avait pas terminé sa carrière. Il grandit en Espagne, il déménage alors qu'il n'a que 2 ans, il part de la France. Donc il grandit pendant 6 ans à 1 heure de Barcelone et il commence le foot là-bas d'ailleurs. Il joue une saison en Espagne et après cette petite année passée en Espagne sur les terrains de football, il revient à Nancy. Il fait un court passage par le Krebs des Célé Nancy avant d'arriver à la SNL. Donc là, moi j'ai tout son historique. Il avait pris sa licence à Nancy. En 2009-2010, il était U9. Moi, je suis à la réserve depuis 89, avec Alain Perrin et tout. Alain Perrin, avec Lasso Boloni, Patrick Gabriel. Ensuite, le parcours en jeune pour Neil El Aïnaoui est assez classique. Au final, il passe par toutes les équipes de jeunes. C'est surtout son arrivée en réserve qui va nous intéresser parce que le passage en réserve, lui, est assez long. Il n'a pas fait 5 matchs et il est allé en professionnel directement. Il a joué plusieurs saisons avec la deuxième équipe de la SNL. Et justement, Jean-Marc a pu l'observer de très près, notamment lorsqu'El Aïnaoui a pris le brassard de capitaine. Et c'était l'une des premières grosses responsabilités qu'il a eues à la SNL. Oh bah, il parlait, il stimulait ses joueurs. Il n'était pas renfermé, quoi. Je veux dire, bon, il jouait la gagne, lui. Hein. T'es pas, tu sais, il a tiré dans son coin en train de dire non. Il motivait les troupes. Puis lui, tu sais, à l'image, sur le terrain. Sur le terrain, il va quand même au tampon, il va au mastic. C'est pas le joueur qui se laisse faire, qui se laisse marcher dessus, quoi. Et c'était déjà comme ça avant qu'il ait le brassard, quand il arrive en réserve, ah, ou il était un peu timide C'était mieux, il fait le réservé, mais pas sur le terrain. Tu sais, toi, tu vas en déplacement et tout, il se met dans son coin, tu l'entends pas. Hein, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et puis bon, dès qu'il est sur le terrain, bah, il s'exprime, il montre qu'il est présent, quoi. Mais moi, j'ai vu jouer, j'ai été les voir quand je passais mes diplômes déjà et que j'entraînais dans le coin, j'allais les voir avec la réserve en forêt. Et une année même, on était dans la même poule parce que la réserve était descendue en R1. Donc, j'étais dans la même poule qu'eux. Oui, j'ai joué contre lui, mais j'étais entraîneur. L'arrivée en pro, elle se fait petit à petit. Il fait d'abord quelques entraînements, mais son premier match professionnel aura lieu le 31 juillet 2021. C'est contre Toulouse, lourde défaite pour la SNL. Mais El Aïnaoui vient de jouer ses premières minutes avec son club formateur. Donc évidemment, c'est un moment spécial, malgré le résultat. Et à l'époque, le coach de la SNL, alors peu s'en souviennent, mais c'est Daniel Stendel, un coach allemand qui restera que le début de saison à Nancy. Il avait été un peu imposé par les nouveaux propriétaires de la SNL. Et sa fameuse tactique du gegenpressing qu'il avait vu en Allemagne n'a absolument pas marché avec Nancy. C'est Albert Cartier qui l'a remplacé. Et dans un contexte très compliqué, parce que l'objectif était de se maintenir en Ligue 2, mais on était déjà sur une mission survie. Et c'est justement vers cette période que Martin Sourzac a son premier souvenir d'El Aïnaoui. Et je me rappelle d'avoir fait un match en réserve avec lui. Où il était tout frêle, mais déjà grand de taille, et il y avait une certaine qualité technique qui se dégageait, on le sentait. Après, c'est sûr que c'est des catégories N3 où c'est pas évident de s'exprimer quand y a autant de défenses qui sont placées par rapport à une réserve pro. Généralement, ça joue vraiment bloc bas. Ouais, c'est vrai. Alors cette année, j'avais dû faire un match, et c'était ce match-là où pareil. C'était compliqué parce que les réserves pro, ils voulaient, enfin, face à les réserves pro, ils voulaient pas se faire balader, les mecs. En plus, c'est des mecs qui ont un certain âge, ils veulent aussi, ils ont pas envie de se faire balader par des gamins. Donc, forcément, pour lui, c'est difficile de s'exprimer, mais c'est formateur, je pense. Alors la suite, c'est une descente en Ligue 2 inévitable pour Nancy qui termine dernier du championnat. Et finalement, on pensait qu'El Aïnaoui allait quitter le club, comme beaucoup l'ont fait d'ailleurs cet été-là. Mais contre toute attente, il reste dans son club de cœur avec l'objectif de faire remonter les SNL en Ligue 2 dès la saison suivante. Alors Benoît Pedretti, lui, avait remplacé Albert Cartier lors de la saison en Ligue 2. C'est toujours lui le coach en national. Et entre-temps, il a donné une grosse responsabilité en plus à Neil. C'est le brassard de capitaine. Alors cette fois, c'est pas l'équipe réserve, c'est l'équipe professionnelle. Donc on est un step au-dessus. Et finalement, malgré son jeune âge, El Aïnaoui est déjà le leader technique de la SNL, et sur le terrain et même dans le vestiaire, il va s'imposer assez naturellement comme un leader, comme l'explique Martin Sourzac. En fait, il arrivait à faire le lien avec toutes les générations, c'est là où il était fort. C'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup, mais c'était un leader technique.
il y a deux sortes de leaders. Il y a les leaders vraiment de personnalité, et puis il y a les leaders techniques où de par sa technique et le fait qu'il soit au-dessus, il arrive à se détacher facilement. Alors collectivement, la situation ne s'améliore absolument pas pour Nancy en National, qui lutte encore une fois pour le maintien, et en fin de saison, Nancy est relégué. Alors après passage devant la commission, la DNCG et tout ce qui va avec, Nancy parvient finalement à se maintenir en National, car d'autres équipes n'avaient pas le budget pour rester. Donc Nancy restera en 3ème division, lui, El Aïnaoui évidemment, fait son chemin ailleurs, c'était le moment de partir. Il signe au RC Lens, et justement, c'est déjà un premier cap important parce que plusieurs clubs étaient intéressés par son profil, notamment Strasbourg, et d'ailleurs le choix de Lens est une décision qui va ravir Pape Diakaté qui à l'époque, s'il avait pu le conseiller, lui aurait glissé un petit mot en faveur du RC Lens. Par exemple, moi quand j'ai entendu qu'il y avait Lens et Strasbourg, j'ai prié pour qu'il aille à Lens, parce que son jeu allait plus avec Lens. Parce que Lens, avec leur 3-4-3, ils ont des milieux qui travaillent beaucoup, qui participent beaucoup offensivement, parce qu'à voilà, l'arrivée, à Lens, il y a beaucoup de milieux qui marquent. À côté de Francaise, il va beaucoup progresser. Et voilà, il va s'installer là-bas parce que son jeu va avec cette équipe-là. Parce que Lens est une équipe qui joue avec beaucoup d'entrain. Physiquement, ils sont au top. Et voilà, c'est une équipe qui ne se retient pas, en fait. Et lui, son jeu, il ne sait pas se retenir. Alors, le 29 juin, El Aïnaoui finit par signer chez les 100 et or. Alors, on s'en doutait avec son profil box-to-box. Un milieu assez grand de taille, athlétique. En fait, il a toutes les capacités pour s'imposer au RC Lens. Et d'ailleurs, Pape Diakaté avait été assez étonné par ses tests physiques. Moi, quand on m'a parlé de ses tests VMA, tout ça, j'étais surpris. J'étais vraiment surpris parce que je me dis, bon, sans les jeunes, ils ne font plus des trucs comme ça. Parce qu'ils se disent que plus je cours, bah, plus quand on fait des séances physiques, moi, je suis dans un groupe tout seul. Et voilà, c'est moi qui en chie le plus. Mais il a fait quand même des tests physiques de malade. Et quand on le voit travailler, parce qu'il a travaillé, moi, avec un ami en préparation physique avant la saison, il m'a dit, bah, c'est la même personne, il parle pas. Il vient, tu lui dis de faire ça, il le fait. Alors son arrivée à Lens, elle se passe entre guillemets en dents de scie parce qu'il savait qu'il n'allait pas disputer le début de saison. Il avait été exclu avec Nancy lors du dernier match de National et il avait pris 5 matchs de suspension, donc pour l'intégration c'est pas évident, même s'il avait joué les matchs de préparation, il n'a pas pu commencer directement avec le groupe en match officiel. Mais dès qu'il a pu intégrer le groupe, Francaise l'a fait rentrer petit à petit dans son effectif, il a eu quelques minutes en fin de match et il a eu sa première grosse titularisation contre l'OM, en plus un match au sommet, et Lens s'était imposé en toute fin de rencontre et El Aïnaoui justement avait été brillant, l'un des meilleurs joueurs de Lens ce soir-là, il était même dans l'équipe type. Mais encore une fois, rien d'étonnant pour Martin Sourzac qui l'a vu grandir avec la SNL. Ce que j'avais peur, c'était qu'il se sente inférieur, lui, le fait de venir en Ligue 1, c'est pas légitime. Mais parce que peut-être que quand on est jeune, on voit tous les mecs à la télé, et on arrive d'un club de N1, bon, qu'il soit aussi historique qu'il est que Nancy, ok, mais quand on arrive dans la vestiaire avec de tels joueurs et personnalités, c'est pas des choses faciles à son âge. Donc c'était plus ça. Après, techniquement et qualitativement, je savais qu'il avait largement le niveau. Depuis, El Aïnaoui a joué plusieurs matchs de Ligue des Champions. Il était rentré en deuxième mi-temps à Arsenal lors du naufrage des Lensois. On l'a vu titulaire à plusieurs reprises en Ligue 1. Il avait même remplacé Andy Diouf, qui est pourtant l'une des recrues stars du RC Lens de l'été dernier. Mais El Aïnaoui, qui lui est arrivé pour 500 000 euros seulement, entre guillemets, de la SNL, s'est imposé comme titulaire. Et même s'il ne joue pas encore tous les matchs en tant que titulaire, on imagine que de son point de vue, c'est déjà une progression assez rapide et excellente par rapport à ses attentes. Et cette progression, il la doit notamment à ses déterminations. Jean-Marc, qu'il a vu avec l'équipe réserve pendant plusieurs années, en a gardé un bon souvenir. C'était un joueur, t'as une personnalité, quoi. Ouais, c'était un joueur qui était bon. Tu voyais qu'il avait le potentiel et puis il respectait les consignes. Dans tout ce qu'il faisait, il était, même dans sa préparation et tout, il était carré, quoi. Tu vois, c'est le garçon qui voulait réussir, qui laissait rien au hasard, quoi. C'est un joueur qui, quand tu vois ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est mérité. C'est le fruit de son travail. C'est pas le fruit du hasard, quoi. C'est-à-dire que bon, il a tout fait pour y arriver, quoi. L'alimentation, il pensait à les soigner, aux soins, etc. Parce que c'est important, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que du point de vue Pape Diakaté, qui lui est entraîneur, c'est typiquement le joueur qu'on veut dans son effectif, comme il l'explique. C'est un joueur vraiment... Il est fascinant parce que pour moi, tous les entraîneurs rêvent d'avoir un joueur comme ça. Exactement. Il travaille, voilà, il parle pas, il se plaint pas, il fait ce qu'il a à faire et puis voilà. Et c'est ça qui est bien, en fait. Donc, il ne peut que continuer à progresser, à mon avis.
Et comment parler d'Al Aïnaoui sans faire référence à son père, ancien tennisman professionnel qui a été numéro 15 mondial, donc évidemment c'est un avantage incroyable, même si on n'est pas sur le même sport, qu'on passe d'un sport individuel à un sport collectif, évidemment avoir côtoyé le monde professionnel sur l'exigence, ça aide forcément Neil, et d'ailleurs Fab Diakaté le reconnaît, et Jean-Marc Favenne aussi. Puis après bon, à mon avis, il devait être carré... Son père, il devait lui dire, bon, ben, c'est couché à quelle heure, c'est machin, c'est tu manges ça, tu voilà. C'est que la mère est toujours derrière à l'accompagner, et le père aussi. Donc, et puis c'est un gamin vraiment intelligent, il est très posé, et voilà quoi, c'est très simple, très simple. Donc moi, j'aime bien. Alors évidemment, vu la progression fulgurante de Neil Al Aïnaoui depuis le début de saison, on va se poser la question sur la sélection. Malheureusement pour nous Français, Al Aïnaoui a choisi le Maroc, il a déjà une sélection avec l'équipe olympique. Et on le sait très bien, la CAN arrive très rapidement. Alors vu le parcours du Maroc en Coupe du Monde, ils vont être attendus comme favoris. Al Aïnaoui, lui, est forcément dans les radars de Walid Regragui, le sélectionneur marocain, même si pour le moment, on est encore loin d'une convocation. Mais Martin Sourzak, lui, s'attend à ce que dans les prochaines années, ça devienne un joueur important du Maroc, pas forcément dès la CAN. Et puis il va avoir la sélection aussi marocaine qui va arriver, il va prendre aussi de l'ampleur, parce que le Maroc aujourd'hui est une nation qui faut compter au niveau Coupe du Monde et au niveau compétition européenne. Et d'ailleurs, vous aviez vu mon ancienne vidéo sur les votes du Ballon d'Or, j'avais interrogé Mostafa Badri, le journaliste marocain, donc j'en avais profité justement à ce moment-là pour lui poser une question sur Al Aïnaoui, et il reconnaît que c'est un joueur qui est déjà suivi au Maroc. Vous savez, on s'est toujours donné pas mal de Marocains avec les frères Hadji. Bah écoute, Al Aïnaoui, on l'a vu pendant un match ici avec les Olympiens, apparemment, il a donné satisfaction. Nous, on le suit au journal. Ben, ça va, il est régulier, il continue à progresser. Il est bon, hein. J'espère qu'il va progresser, qu'il sera présent à Paris 2024, là, avec les Olympiens. Mais apparemment, c'est un bon élément. Moi, je vois qu'il a sa place au niveau de l'équipe olympique, quoi. Et puis, j'espère qu'il sera là pour 2025, pour la CAN 2025. J'espère qu'il est discipliné comme son père. Vous êtes vous sur place, vous êtes mieux placé que moi. Et depuis Nancy, évidemment, tous les fans du club lorrain continuent à voir la progression d'Al Aïnaoui. C'est une grande fierté pour la SNL qui a déjà sorti de nombreux joueurs de son centre de formation. L'un des plus récents, c'est Clément Langlais qui a joué au FC Barcelone. Et justement, pour Al Aïnaoui, on a vu plusieurs tweets de la part de la SNL. Et à l'intérieur du club, on ressent toujours autant de fierté de le voir jouer de cette manière et de représenter au mieux le centre de formation de la SNL. On est fiers qu'il soit passé à Nancy, mais bon, après, on serait en Ligue 1, il serait peut-être resté. Hein. Mais bon, voilà, on n'est pas en Ligue 1, on est en National. Bon, bah, c'est tout, on va essayer de remonter au plus vite possible, et puis voilà, quoi. Voilà, merci beaucoup à Jean-Marc Favenne, que je suis allé voir directement au centre de formation de la SNL, à Martin Sourzak, qui avait pris de son temps pour m'avoir au téléphone, Pab Diakaté également, de m'avoir répondu sur Neil Al Aïnaoui, qui continue son bonhomme de chemin avec le RC Lens, et on espère le voir avec la sélection marocaine le plus vite possible. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, je vous laisse la liker, vous abonner et la partager pour que Al Aïnaoui lui-même puisse voir ce contenu qu'on a fait sur lui et surtout ce que pensent ses anciens coéquipiers, entraîneurs, dirigeants ou simplement des gens qui le suivent. Si t'avais que des jeunes comme lui, tu n'as aucun souci. Je me redis, mais ce qui lui arrive, c'est mérité, c'est le fruit du travail, quoi. Et c'est vrai qu'il devrait servir d'exemple à tous les jeunes du centre, quoi.